S nama je sestra, sor Marie Emmanuel Adam iz zajednice Blaženstava. Ona će nam sada svjedočiti. Izvoli, sestra. Alors, c'est pas facile de parler après notre cher père Jacques. Nije lako govoriti nakon našeg dragog oca Žaka. On m'a demandé de vous dire un petit mot sur les danses. Zamolili su me da vam nešto kažem o plesovima. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste ou une professionnelle des danses. Nisam ni specijalist ni profesionalac plesanja. Mais il se trouve que dans notre communauté, on organise des retraites de danse et prière. Ali u našoj zajednici mi organiziramo duhovne vježbe plesa i molitve. Où j'ai eu aussi l'occasion de découvrir la beauté de la danse et le sens de la danse que peut avoir quand c'est une prière. I tamo sam imala mogućnost otkriti šta to znači i kakva je to ljepota kada je ples molitva. Si vous cherchez la définition du mot danse dans le dictionnaire, ako u rječnicima tražite definiciju riječi ples, vous trouverez la danse, c'est un mouvement rythmique du corps. Pisat će ples je ritmički pokret tijela. Et le rythme est donné en général par de la musique ou par des chants. A ritam daje obično glazba ili pjesma. Mais on voit dans le concret que cette définition recouvre toute une grande quantité d'expériences différentes. Ali vidimo u definiciji da to pokriva jedan cijeli niz različitih iskustava. Il y a la danse classique. Postoji klasični ples. Les danses folkloriques. Folklorni plesovi. Les danses qu'on va danser pendant un mariage. Plesovi koji se plešu na vjenčanjima. Il y a les danses du samedi soir dans les discothèques. Postoji ples subotom na večer u disku. Il y a les danses que nous faisons au festival. Postoje plesovi koje plešemo na festivalu. Tout ça, ça s'appelle danse. Sve se to zove ples. Mais la question qui nous intéresse. Ali ono što nas zanima. Est-ce que c'est possible de danser pour Dieu? Je li moguće plesati za Boga? Est-ce que vous pensez sérieusement que Dieu, il est content de nous voir danser? Mislite li vi stvarno da je Bog radostan kad vidi kako plešemo? Que Marie est heureuse de nous voir danser ici à Međugorje. Da je Marija sretna kad nas vidi kako ovdje u Međugorju plešemo. Alors, si on regarde dans la vie des saints, ako gledamo živote svetaca, on voit par exemple Sainte Thérèse d'Avila qui était parfois tellement saisie par l'amour de Dieu. Vidimo Svetu Tereziju Avilsku koju je znala ljubav Božja toliko zahvatiti. Qu'elle se mettait à chanter, à danser, à frapper des mains avec ses sœurs. Da je počela plesati, pjevati i lupati, pljeskati sa svojim sestrama. On voit aussi Saint Philippe Neri, le saint de la joie, qui était aussi lui très enthousiaste et qui démontrait sa joie à l'extérieur. Sveti Filip Neri, poznat kao svetac radosti, je znao pokazivati svoju radost izvana. On représente souvent Saint François d'Assise avec les bras levés au ciel. Svetog Franju Asiškoga se često pokazuje sa rukama podignutima prema nebu. Qui loue le Seigneur et toute la création avec son corps également. Slavi Boga i cijelo stvorenje svojim tijelom. Saint Dominique, quant à lui, il a décrit 8 manières de prier, 8 gestes de la prière. Sveti Dominik je opisao 8 načina molitve, 8 gesta u molitvi. On peut prier les mains jointes. Može se moliti sklopljenih ruku. À genoux. Na koljenima. Prosterné. Ležeći na podu, na trbuhu. Les bras levés vers le ciel. Rukama podignutim prema nebu. Ce sont tous des gestes qui vont nous aider à prier de tout notre être. Sve su to geste koje nam pomažu da molimo cijelim bićem. Le plus bel exemple que nous avons sans doute. Najljepši primjer bez sumnje. C'est celui de la Vierge Marie. Je primjer blažene djevice Marije. Si vous lisez le récit des apparitions mariales au cours des siècles, ako čitate povijest marijanskih ukazanja tijekom stoljeća, les témoins des apparitions, ceux qui ont le bonheur de la voir, svjedoci ukazanja, oni koji su imali tu sreću da ju mogu vidjeti, disent que parfois elle est apparue les mains jointes sur le cœur. Kažu da je znala se ukazivati rukama sklopljenim na prsima. Parfois les mains ouvertes. Da je to znalo biti otvorenih ruku, raširenih. Parfois les bras étendus. Koji puta raširenih ruku.
Parfois, elle fait le signe de croix très lentement. Koji puta polako pravi znak križa. Et même à Lourdes, quand elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception », a u Lourdes, kad je rekla ja sam bezgrešno začeće, elle a fait un mouvement. Napravila je ovakav pokret. Elle a levé ses bras. Podignula je ruke. Elle les a mis près de son cœur. Sklopila ih je kod srca. Et puis elle a levé les yeux vers le ciel. I onda je dignula oči prema nebu. En disant, je suis l'Immaculée Conception. I onda je rekla, ja sam bezgrešno začeće. Et Marie est un modèle pour nous. A Maria je za nas model. Dans tout son corps qui respire l'amour, la pureté. Cijelo njezino tijelo odiše ljubavlju i čistoćom. Elle nous apprend aussi comment on peut prier avec notre corps. I ona nas isto uči kako moliti tijelom. Est-ce que l'on parle de la danse dans la Bible? Govori li Biblija o plesu? Dans l'Ancien Testament, u Starom Zavjetu, on parle de la danse en général pour le peuple d'Israël. Obično za izraelski narod govori se o plesu. Qui après une victoire, poslije neke pobjede, se met à chanter, à louer Dieu et à danser. Narod pjeva, slavi Boga i pleše. Dans le livre de l'Exode, u knjizi izlaska, Moïse redescend de la montagne. Moïse silazi s planine. Et il trouve le peuple d'Israël qui chante et qui danse, mais devant le veau d'or. I vidi kako narod izraelski pjeva i pleše, ali pred zlatnim teletom. Et Moïse est furieux. I Moïse se ljuti. Il jette les tables de la loi. Baca ploče sa 10 zapovjedi. Et il détruit le veau d'or. I uništava zlatno tele. Ensuite, il demande pardon à Dieu. Nakon toga moli Boga za oproštenje. Par ce chant et par ces danses, le peuple a rendu un culte aux idoles. Jer su tim plesovima i tim pjesmama narod se klanja u idolima. Donc, on voit que même dans la Bible, il y a des moments où on parle de danse pour Dieu, et puis des danses qui n'ont rien à voir avec une louange pour Dieu. Dakle, u Bibliji isto spominju se plesovi koji su koji slave Boga i plesovi koji s time nemaju nikakve veze. Dans le deuxième livre de Samuel, u drugoj knjizi Samuelovoj, on voit le roi David, vidimo kralja Davida, qui accompagne le peuple avec l'arche d'alliance jusqu'à Jérusalem, koji prati narod, koji nosi kovčeg zavjetni sve do Jeruzalema. Et le roi David est tellement saisi par l'amour de Dieu, i kralj David toliko ga je obuzela Božja ljubav, qu'il se met à bondir de joie, à sauter de joie, à tourner autour de l'arche d'alliance. Da skače od radosti i pleše oko kovčega zavjetnog. Sa femme le regarde par la fenêtre. Žena ga gleda kroz prozor. Et dans son cœur, elle le méprise. I u srcu ga prezire. Elle se moque de lui. Elle pense qu'il est vraiment en train de se ridiculiser devant le peuple. Ruga mu se i misli da se sramoti pred narodom. Et David lui répond. A David joj odgovara. C'est devant le Seigneur que je danse. Pred gospodinom plešem. Je danserai devant le Seigneur. Plesat ću pred gospodinom. Et je m'abaisserai encore davantage. I još više ću se poniziti. Donc on voit que pour le roi David, cette danse qu'il fait sous le regard de Dieu. Dakle, vidimo da za kralja Davida taj ples pod Božjim pogledom. C'est aussi un acte d'humilité. Il veut vraiment de tout son cœur, de toutes ses forces, de, avec son corps, louer son Seigneur. Za njega je to čin poniznosti. On želi svim snagama i svojim tijelom isto tako slaviti gospodina. Un peu plus loin dans les psaumes, malo kasnije u psalmima, nous sommes très souvent invités à louer Dieu par les chants et par les danses. Vrlo često je naznačeno da nas poziva psalam da slavimo Boga plesmom, pjesmom i plesom. Louez-le par la danse et le tambour. Psalam kaže slavite ga plesom i cimbalom. Louange à son nom par la danse. Slavimo ime njegovo plesom. Les justes jubilent devant la face de Dieu, ils exultent et dansent de joie. Pravednici se raduju pred licem Gospodnjim i plešu od radosti. Donc on voit dans les psaumes que c'est dans la parole de Dieu qu'on est invité à danser pour lui, à danser devant lui. Dakle, u psalmima vidimo da nas Božja riječ poziva da plešemo pred Bogom. Est-ce qu'on parle de la danse également dans le Nouveau Testament et dans les évangiles? Govori li se o plesu u Novom Zavjetu i Evanđeljima? Il y a ce passage très connu dans l'évangile de Matthieu. Poznati odlomak iz Matejeva Evanđelja. Pour l'anniversaire d'Hérode. Kad je Herodov rođendan.
La fille d'Hérodiade est invitée à danser. Hérodiadina kćerka je pozvana da pleše. Et tout le monde est séduit. I svi su zavedeni. Et en même temps, tout le monde perd la tête et tout le monde perd la raison. Svi izgube glavu, svi polude. Et cette danse entraîne la mort de Jean-Baptiste. I taj ples vodi do toga da je ubijen Ivan Krstitelj. Alors on pourrait dire ce passage de l'évangile ne fait pas tellement de la publicité pour la danse. Mogli bismo reći da ovaj odlomak iz evanđelja nije baš neka reklama za ples. Mais ça nous dit quelque chose de très important. Ali to nam kaže nešto jako važno. Il y a effectivement des danses. Postoje plesovi. Ou des manières de danser. I način plesanja. Qui ne vont pas porter des fruits de vie. Koji ne donose plodove života. Mais qui vont plutôt nous entraîner au mal, au péché et nous détruire. Nego nas vode u zlo, u grijeh i uništenje. La fille d'Hérodiade a été utilisée comme un objet pour obtenir la mort de Jean-Baptiste. Herodijadina kćerka je bila iskorištena kao predmet da bi postigla smrt Ivana Krstitelja. Vous savez qu'aujourd'hui on fête la fête du Saint Curé d'Ars? Vi znate da je danas blagdan Svetog Ivana Arškog župnika. Et le Saint Curé d'Ars, il n'aimait pas beaucoup les danses. Sveti Ivan Arški župnik nije baš volio plesove. Mais on le comprend parce que l'expérience qu'il voyait à travers les danses. To se i razumije, jer iskustva koje je vidio kroz plesanje. Dans son confessionnal. U ispovjedaonici. C'était que des gens de sa paroisse, de son village sortaient pour danser. To je da su ljudi iz njegovog sela izlazili van i plesali. Mais que ça terminait dans le péché. A to je završavalo u grijehu. Alors, il y a un autre passage de l'Évangile où on parle de la danse. Ali ima još jedan odlomak iz Evanđelja koji govori o plesu. C'est dans la parabole du fils prodigue. To je u usporedbi o rasipnom sinu. Le fils prodigue retourne chez son père. Rasipni sin se vraća kući. Et le père est fou de joie. I otac je lud od radosti. Donc il ordonne de faire tuer le veau gras. I on dakle naređuje da se ubije vola, tele. D'organiser une grande fête. Da se organizira velika, velika fešta. Avec bien sûr aussi les chants et les danses. I da se pjeva i pleše. Dieu veut pour nous que nous soyons heureux ici sur la terre. Bog želi da ovdje na zemlji budemo sretni. Que nous soyons dans la joie. Da budemo radosni. Le frère aîné rentre à son tour. Stariji brat se vraća kući. Il entend les chants et les danses. Čuje ples i pjesmu. Mais il est furieux. I ljuti se. Il n'arrive pas à rentrer dans la fête. Ne može sudjelovati u fešti. Il n'arrive pas à se réjouir avec le père du retour de son frère. Nije sposoban radovati se s ocem što se vratio brat. Et parfois ça peut nous arriver à nous aussi. To se i nama može dogoditi. On voit les chants, les danses. Vidimo ples, pjesmu. Mais à cause de ce qu'on vit à l'intérieur de nous-mêmes. Ali zbog nečega što proživljavamo u sebi. On est parfois enfermé dans notre tristesse. Zatvoreni smo u svoju žalost. Et on n'arrive pas à rentrer dans la danse et dans les chants. I ne uspijevamo pjevati i plesati. Mais je peux vous dire que j'ai entendu très souvent des témoignages. Ali mogu vam reći da sam često čula svjedočanstva. De personnes qui ont voulu faire l'effort de danser. Ljudi koji su htjeli učiniti, potrudili su se da plešu. Qui se sont décidés à danser, qui se sont décidés pour la joie. Koji su donijeli odluku da će plesati, da će biti radosni. Et en dansant. I plešući. Ils ont vraiment expérimenter cette joie dans leur cœur. Su doista iskusili radost u srcu. Alors, Saint Paul parle lui très souvent du corps. Sveti Pavao često govori o tijelu. Il nous rappelle, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? I on kaže, zar ne znate da vaše tijelo hram Duha Svetoga? Glorifiez Dieu dans votre corps. Slavite Boga u svojem tijelu. Et je termine sur le sujet de la danse dans la Bible. I završit ću o plesu u Bibliji. Avec le passage qui me paraît le plus magnifique. S jednim odlomkom koji mi se čini najljepši. C'est l'épisode de la visitation. To je pohođenje. Marie part en hâte chez sa cousine Elisabeth. Marija žuri svojoj rodici Elisabeti. Salue sa cousine. Pozdravlja svoju rodicu. Et à cet instant. I u tom trenutku. Jean-Baptiste, Ivan Krstitelj, bondit de joie dans le sein d'Elisabeth. Zapleše od radosti u Elizabetinom krilu.
On pourrait dire un enfant qui bouge dans le sein de sa mère, c'est assez fréquent. Može se reći da dijete koje se kreće u majčinom trbuhu da je to česta pojava. Rien de très particulier, ça pourrait paraître un détail. Ništa posebno, to je neki detaljčić. Mais l'évangéliste a jugé que c'était quelque chose de très important puisqu'il l'a écrit. Ali evangelist je očito vidio da je to nešto jako važno jer je to napisao. Jean-Baptiste a tressailli de joie dans le sein d'Élisabeth. Ivan Krstitelj je zadrhtao od radosti u Elizabetinom trbuhu. Parce qu'il a perçu mystérieusement mais réellement. Jer je na misteriozan ali stvaran način. Qu'il se trouvait en présence de la nouvelle arche d'alliance. Shvatio da se nalazi u nazočnosti novog kovčega saveza. Marie qui porte Jésus en son sein. Maria koja u svojoj utrobi nosi Isusa. Et j'ai lu récemment. I nedavno sam pročitala. Que le verbe qui est dit pour exprimer le mouvement de Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth. Da glagol koji izražava taj pokret Ivana Krstitelja u Elizabetinoj utrobi. Est le même verbe qui est utilisé pour le roi David. Je isti glagol koji je korišten za kralja Davida. Qui bondit de joie et qui tressaille devant l'arche d'alliance. Koji skakuće od radosti oko kovčega savjetnog. Et l'évangile précise. Evanđelje precizira. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Da je Elizabeta bila ispunjena Duhom Svetim. À cause de ce tressaillement de joie de Jean-Baptiste, zbog tog poskakivanja od radosti Ivana Krstitelja, elle a compris elle aussi, i ona je shvatila, qu'elle n'était pas seulement devant sa cousine, da nije samo pred svojom sestričnom, mais devant la mère de son sauveur, nego pred majkom njezinog spasitelja. Alors ici on peut demander à Jean-Baptiste de manière particulière. Ovdje na poseban način možemo zamoliti Ivana Krstitelja. De nous aider à prendre conscience de cette présence de Marie et de Jésus au milieu de nous. Da nam pomogne da postanemo svjesni prisutnosti Marije i Isusa među nama. Pour que nous puissions nous aussi bondir de joie. Da bismo i mi mogli poskakivati od radosti. Que nous puissions nous aussi glorifier Dieu dans notre corps à travers les danses. Da bismo i mi mogli slaviti Boga svojim tijelom i plesom. Je termine avec trois petits moyens concrets que vous pouvez utiliser quand vous rentrez chez vous. Završit ću sa tri prijedloga kojima se možete poslužiti kad se vratite kući. Si vous voulez encore danser pour Dieu durant cette année avant le prochain festival. Ako ove godine prije sljedećeg festivala želite plesati za Boga. Vous pouvez danser tout seul dans la nature. Možete plesati sami u prirodi. Vous pouvez mettre un CD de louange dans votre cuisine ou votre salle à manger. Možete staviti neki CD sa pjesmama koja slave Boga u kuhinju ili u dnevni boravak. Et première chose, mettez-vous sous le regard de Dieu. Prva stvar, budite svjesni da vas Bog gleda. Et rappelez-vous. I podsjetite se. En ce moment, Dieu me regarde. U ovom trenutku Bog me gleda. Dieu m'aime. Bog me ljubi. Marie me regarde. Maria me gleda. Elle m'aime. Ona me ljubi. Et je veux lui faire un cadeau à travers cette danse. I ovaj ples će biti dar njima. Deuxième chose. Druga stvar. Vous souriez à Dieu qui vous regarde et qui attend votre sourire. Smiješite se Bogu koji vas gleda, koji očekuje vaš osmijeh. Vous souriez à Marie qui vous regarde et qui attend votre sourire. Smiješite se Mariji koja vas gleda i koja očekuje vaš osmijeh. Et dernière chose. I posljednja stvar. Parlez à Dieu quand vous dansez. Govorite s Bogom, govorite mu kad plešete. Dites-lui tout ce qui habite votre cœur. Recite mu sve što vam je na srcu. Vos joies, vos peines. Radosti, žalosti. Dites-lui combien vous l'aimez, combien vous voulez l'aimer encore davantage. Recite mu koliko ga volite i da biste ga htjeli voljeti još više. Dites-lui combien vous avez besoin de lui. Recite mu koliko ga trebate. Demandez-lui de vous purifier, de vous guérir, de vous libérer. Molite ga da vas pročisti, iscijeli, oslobodi. Et je vous assure que vous allez vivre des moments très beaux de grande communion avec Dieu dans votre cœur. I vjerujte mi da ćete imati trenutke, vrlo lijepe trenutke sjedinjenja s Bogom u vašem srcu. On peut parler pendant des heures de la danse, mais le plus important c'est de le mettre en pratique. Moglo bi se satima govoriti o plesu, ali najvažnije je da se to prakticira. Alors je voudrais maintenant vous proposer de faire une danse
tous ensemble, qu'il soit vraiment une prière. Sad bih vam htjela predložiti da svi zajedno plešemo jedan ples koji će stvarno biti molitva. Une prière pour la paix. Molitva za mir. D'abord dans notre cœur. Najprije u srcu našem. Dans nos familles. U našim obiteljima. Dans nos paroisses. U našim župama. Dans nos pays respectifs. U našim različitim zemljama. Et pour la paix dans le monde. I za mir u svijetu. Je vais vous expliquer les pas de la danse. Objasnit ću vam korake. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être trop compliqué. Ne brinite, nije komplicirano. Et je vais le faire avec les jeunes de la paroisse et aussi trois sœurs qui vont le faire napraviti avec moi. Zajedno s mladima iz župe i sa tri sestre, svi skupa. Le chant que je vous propose est un chant en hébreu qui s'appelle Shalom Aleichem. Pjesma koju vam predlažem je na hebrejskom i zove se Shalom Aleichem. C'est un chant qui nous invite à appeler les anges de Dieu à venir prier avec nous. To je pjesma kojom pozivamo anđele Božje da dođu s nama moliti. Alors je voilà, je vais vous expliquer les pas. Sad ću vam objasniti korake. Le rythme de la... Alors oui, si vous pouvez, ceux qui le peuvent sortir des bancs, vous aurez un petit peu plus de place. Il faut... Ako možete, izađite iz klupa, imat ćete više mjesta. Il faut être assez proche les uns des autres. Treba biti blizu jedni drugih. Et le rythme de la danse est un rythme de trois temps, un petit peu comme la valse. Ritam je u tri takta, kao valcer. Déjà, on va tous se tenir la main. Držat ćemo se za ruke. Et ce n'est pas un geste neutre. I to nije neutralna gesta. Par ce geste, nous voulons dire, nous sommes tous égaux devant Dieu. Ta gesta znači da smo svi pred Bogom jednaki. Nous sommes tous les fils et les filles bien-aimés de Dieu. Svi smo ljubljeni Božji sinovi i kćeri. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus important qu'un autre. Nitko nije važniji od drugoga. Ensuite, zatim, avec votre pied droit, desnom nogom, vous ouvrez à droite. Krenite na desno. C'est votre pied droit, c'est ton miroir par rapport à moi. Pazite, mi gledamo se kao u ogledalu. Pied droit. Desnom nogom naprijed. I lijevom preko nje. On fait la même chose de l'autre côté. I onda ista stvar na drugu stranu. On croise. Et on va faire ça dans le rythme 1, 2, 3. I tako u tri takta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et pendant que l'on fait ce pas... I dok tako koračamo, on peut dire à Dieu où que j'aille. Možemo reći Bogu, kud god da krenem, conduis-moi, Seigneur. Vodi me, Gospodine. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Pokaži mi put kojim trebam ići. Reste avec moi, ne m'abandonne jamais. Ostani sa mnom, nemoj me nikad napustiti. Ensuite, on ouvre la main droite. Nakon toga otvaramo desnu ruku. Un grand cercle à droite. Veliki krug na desno. Un grand cercle à gauche. Pa veliki krug na lijevo. Et par ce geste, on va appeler toute la cour céleste. I tom gestom pozivamo sav nebeski dvor. Tous les anges. Sve anđele. Tous les saints. Sve svece. La reine des anges et des saints. Kraljicu anđela i svetaca. La reine de la paix. Kraljicu mira. On les invite tous à venir prier avec nous. Sve ih pozivamo da dođu moliti s nama. Et puis on lève nos deux mains devant nous. Podižemo dvije ruke ispred sebe. Devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Pred kraljem kraljeva i gospodarom gospodara. Notre Dieu de qui vient la seule vraie paix. Pred našim Bogom od kojeg jedinog dolazi pravi mir. Et on termine. I onda završavamo. La main gauche sur le cœur. Lijeva ruka na srcu. La main droite au-dessus du front. Desna ruka ispred čela. En faisant un petit pas. Korak prema naprijed. On revient. Korak prema natrag. En signe d'adoration, de profond respect pour Dieu. I opet korak naprijed natrag kao znak klanjanja i poštovanja prema Bogu. Et on termine les deux mains sur le cœur. I završavamo s dvijema rukama na srcu. Pour montrer que nous accueillons dans notre cœur cette paix que Dieu nous donne. Da pokažemo da u svom srcu prihvaćamo taj mir koji nam Bog daje. Alors, avant de le faire avec la musique, on refait peut-être encore une fois tous les pas. Prije nego što ćemo to učiniti glazbom, učinimo zajedno još sve ove korake.
À droite, desno, on croise, preko à gauche, noge, lijevo, preko noge. On fait ça quatre fois. I to četiri puta. Trois. Tri, četiri. Et quatre. On ouvre. Desnom rukom krug. On ouvre. Lijevom rukom krug. On lève les deux bras. Dvije ruke ispred sebe. On adore Dieu. Klanjamo se. Ustuknemo. Et on accueille sa paix. I prihvaćamo njegov mir. Voilà, un grand merci à la chorale qui va nous aider à prier avec Hvala cette danse. Zboru koji će nam pomoći moliti ovaj ples. Et puis j'invite aussi ceux qui peut-être nous regardent par internet. Pozivam sve one koji nas možda gledaju preko interneta. À se joindre à nous peut-être. Da nam se pridruže. Dans votre cuisine ou votre salle à manger. Kod vas u kuhinji ili u dnevnom boravku. Shalom Alechem, Malachi Hashare, Malachi Shalom, Malachi Hashem.
Merci, 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 Sœur Marie, Emmanuel.